TPS a dit ça, c'est temporarily protected status. C'est un statut temporaire qui protège un pays. Hein? Côté qui est même capable de rester légalement dans le pays. Hein? C'est comme si un programme Biden, c'est un petit TPS. Bon, le programme Biden, il fait et il y a presque même définition avec TPS là, parce qu'on vient là pour travailler vraiment, mais c'est un statut qui est protection libre. Côté qu'on a payé là pour 10 ans, mais TPS à l'emploi ici, nous voyons que yo prolongé. Ok? So, si vous êtes haïtien et puis vous êtes présent et physiquement et continuellement dans les pays États-Unis depuis 6 novembre 2022 ou bien depuis 4 février 2023, pas blessé là, ça qui vous même vous êtes baillé deuxième couche TPS là. Ou bien jusqu'à 3 août 2024 pour appliquer pour TPS. Ça veut dire que moun sa yo gagne l'autre porte qui ouvre pour yo, c'est pour TPS ça. Très très important. Donc, et si on regarde bien, TPS pour haïtien a expiré 3 août 2024. Ça veut dire que ça, donc ou même là qui gagne dans statut TPS ça, c'est dégager ou faire tout ça qui dépend de vous-même pour capable changer statut. Qui j'en quoi capable changer statut? Ou ka chen statut par plusieurs façons. Un, ou capable marier avec un monde qui réside. Ba di marier avec un TPS, son mes amis. On peut dire deux TPS pas marcher ensemble dans un sens, mais pas oublier l'amour, pas grand qui n'est pas fait. Donc, ça m'a parlé d'une façon qui j'en pour résider dans le pays. Pour résider, un, ou supposé marier avec un monde qui est légal dans le pays, avec un résident, ou bien tu yon CDZ, un citoyen américain. Et en mon cas, j'ai un travail, ok, je parle de ça, je prends pile de vidéos, nous baille déjà. Et puis, on capable, et on joue une famille qui est capable de sponsoriser pour être dans le pays pour venir, yon résident, bientôt venir résider. Donc, de date que nous avons là, c'est août 2024, ok? Il y a une option pour yon appliquer pour renouvellement. Élection, attendez bien, élection, ça, c'est moment propice pour l'idée haïtien. 10 candidats haïtiens n'ont pas voté ou soit y a voté contre yo si yo pas promettre qu'il y a éliminé TPS pour autoriser mon TPS à appliquer pour résidence permanente. Ça voilà son bagage vraiment important. Mais ça voilà. Gien en pile dans monde qui va faire élection dans pays, ça pas oublier année qui vient là pas élection. Donc ça veut dire ça nous même en tant que haïtiens yo nous pas voter un monde qui en faveur nous. Ne pas voter un monde qui compte immigrant, c'est ça lié, pas du qui on peut voter non, mais moi monde qui on a voté, pas qu'à voter un monde qui compte immigrant, parce que si que monde vient et monde dit que il pas pour renouveler tes personnes encore, ça passe. Nous de pas là qu'à nous de pas illégal. Donc c'est vraiment important mes amis pour nous connaître qui parti dans politique ici qui en faveur immigrant. OK? Très 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 important mes amis pour nous faire des choix qui bon pour nous-mêmes. Donc depuis que un monde veut un service immigration, HTK Immigrant Services li ouvre le samedi kounya pour nous capable servir frère avec son yo qui veut service nan men. Par exemple, qui service que nous offre service vérification côté que nous aller bon capable dit vérification plus la professionnel dans programme Biden nan. Nous al vérifier est-ce que l'application est bien remplie et deuxièmement, nous al vérifier document yo parce que immigration mon les 5 documents ou jusqu'à 6 documents même ou pas besoin charger et un programme bad et un programme avec un paquet de documents parce que les gars sont trop compliqués, déjà pas fait les compliqués. C'est qu'un bel simple. Nous même n'allons pas vérifier documents ça vous faire sûr que vous clair lisible, mais nous mettons les professionnels bas chaque application pour qu'elle demande à agent immigration qui va le vérifier soit pour les mêmes pour les approuver. Et pas oublier mes amis, immigration un paquet d'office ou pas qu'on est dans qui office que une application tombée. Et me dit ça encore, c'est pas toute application qui est dans le même office, ça veut dire ça, l'orel pour faire vérification et li important pour ta vérification pour toute application yo. Et m'a tout ça encore, nous là pour nous aider et même là qu'on compile l'application nous bagarre baisse son façon pour capable améliorer pour parce que nous connaissons aider ou veut aider et nous même nous voulons aider. Service que nous offrons encore, nous remplir papier travail et nous remplir papier asile, nous remplir papier TPS. Nous remplir papier autorisation de voyage par exemple si vous voulez quitter ici vous voulez visiter et Canada ou bientôt et Haïti ou whatever ça là ou relez nous d'apprendre l'application pour vous et là qui application fini tout n'a pas toute information yo très important et en plus tout au besoin naturaliser contact haïtien de ce côté au besoin résider contact haïtien de ce côté nous là pour nous même pour nous ba au bon service. Donc parlez mes amis, numéro de téléphone nous c'est 832-299-54-84. Puis nous avons l'autre numéro tout, c'est 361-286-00-99. Pas oublier, Biwa nous ouvre
de lundi à samedi pour nous, si on façon nous capable aider famille nous pour nous servir communauté plus bien. Pas oublier nous bail service dans toutes 50 états et nous prend paiement mes amis, m'a dit nous ça très clair par debit card, crédit card, Zelle et puis Cash App. Ça veut dire que pas gon raison que ou même ou pas capable non raison que ou pas nous pas travailler pour. Ouais, donc ça veut dire que tout moyen pour payer nous prend son façon pour nous capable servir communauté nous en bien avec service tout sponsor puis bien monde qui veut aider frère avec ce nous entrer ici puis rapide ou bien tout qui besoin service à ici de côté. Nous gon website côté que nous partager déjà mais pas les mes amis sur un service nous rien n'importe quelle n'a pas pour nous spécialement dans l'heure qui nous ouvre de 9h pour 6h vraiment vraiment important mes amis pour nous-mêmes nous continuer là ici de côté pour service. Très, très important.